Rebonjour à tous mes amours, c'est la traqueuse et oui, je vous ai manqué. Ou pas. Petite vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai acheté depuis plusieurs mois. Hein, voilà, je n'étais pas dispo pour vous, pour des live vide-grenier dernièrement, bah parce qu'il n'y en a pas près de chez moi et comme vous le savez, c'est la même rengaine. Je ne fais pas plus d'une heure de route hein, pour aller à un VG. Puis en plus, il fait extrêmement froid et en plus, je suis fatiguée, donc le dimanche, je me repose. C'est important, ok. Sur ce, je vais vous montrer tous ces beaux achats que j'ai fait. Je suis très très contente. C'est parti, let's go. Pomme, petite, regardez ça, c'est incroyable, petite caméra qui vient de popper directement, c'est magnifique. Petite caméra que j'avais eue dans mes lives précédents, vous avez bien vu, j'avais acheté une petite caméra Sony, franchement c'est incroyable, regardez-moi ça, cette qualité elle est juste magnifique ma chérie. Et comme ça, ce sera mieux pour vous présenter les choses en même temps, je trouve ça plus sympa, voilà, personnellement je trouve ça plus sympa. Donc premier objet, oh regardez-moi ça. Petite manette de GameCube sans fil, ça c'est incroyable, ça c'est la vie ça. Franchement je suis très contente, celle-ci je crois que je l'ai eue à 20€ si je me trompe pas, qui est un très très bon prix et franchement je l'ai testée, c'est incroyable. En vrai tu te dis mais attends, il y a toujours eu un fil non sur ce genre de manette. Et non c'est super agréable de jouer sans fil, putain j'ai tout pété, de jouer sans fil. Donc voilà, et en bon état en plus. Ça c'est bien, ça c'est plutôt correct. Évidemment j'ai le petit support qui va avec hein, pour mettre sur la GameCube, le petit récepteur. Donc voilà, très contente. Donc 20€ pour cette petite manette. Magnifique. Alors ensuite on passe sur un petit jeu PS3. Alors celui-ci, le Metal Gear Solid 4. Metal Gear Solid 4 que j'ai topé à... Et oui, je peux faire ça maintenant. À 3,99€. En fait, je l'avais déjà, je viens de remarquer hein, que je l'avais déjà, mais le simple, parce que ça, c'est vraiment l'édition 25e anniversaire. Alors, faut me le dire, là, je sais pas trop s'il y a une réelle différence avec le 4 normal. Donc là je saurais pas trop quoi vous dire, dites-moi dans les commentaires hein, s'il y a une différence ou pas, ou c'est juste la jaquette parce que il faisait peut-être partie d'un collector. Mais en général s'il faisait partie d'un collector ici ce serait marqué Don't for Sal, parce que l'anglais et moi c'est pas ça hein. Toc, donc petit jeu tout complet, ça fait plaisir, vous avez même ça, c'est le petit poster, voilà le petit poster très sympathique. Celui-là, le prochain jeu là, c'est incroyable. C'est bien, vous avez mon petit retour sur Streamlab. C'est cool ou quoi? C'est cool ou quoi ça là? Ça c'est une Wacom. Ça c'est un 5.1. Ça c'est une Focus. Vous en parlerez plus tard peut-être. Prochain jeu. C'est un jeu GameCube. Je suis très contente parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup joué sur DS. Et de le retrouver sur GameCube, moi honnêtement j'ai jamais joué sur GameCube, mais on m'a dit que du bien dans tous les cas. Bon, ça reste la même chose. Sans plus attendre, le petit WarioWare. Voilà. WarioWare Mega Party Games. Celui-ci, je l'ai quand même eu un peu cher. Alors, je sais pas si c'est cher pour vous en soi maintenant, les cotes. Clairement, les cotes. je suis plus. Franchement, c'est triste. C'est triste à dire, mais je suis plus. Je l'ai eu à 38€, je crois. De tête, je crois que c'était 38 balles. Voilà. Voilà, 38 balles, mais je suis contente. Il est complet et il y a même mon ticket. Hop. Donc il est complet. Chut. Magnifique. Et le CD, il est vraiment en état incroyable. Il est parfait. Donc ça, c'est un petit... Vous savez, vous vous rappelez bien sûr de jeux avec tous les mini-jeux complètement what the fuck, mais c'est tellement drôle et ça va de plus en plus vite. Et c'est génial. Franchement, ce genre de petit jeu, j'adore. Hein. Moi, ce que je retiens le plus de ce jeu, c'est quand tu mets le doigt dans le nez. Oui, il y a un jeu où on met un doigt dans le nez. Non, mais franchement, il y a plein de petits trucs sympas. Je vous le conseille. Elle sera beaucoup plus accessible sur DS. Mais franchement, c'est super quali. En plus, on peut jouer avec le jeu Advance branché sur sa console. Et c'est trop cool. Voilà, donc plein de petits mini-jeux. WarioWare, un jeu indémodable, je trouve. Clairement, il est indémodable parce que même maintenant, je pourrais encore y jouer et me fendre la gueule, en fait. C'est voilà, complètement what the fuck, ce jeu, donc j'adore. Et bien sûr, Pokémon. La hype de Pokémon en ce moment, c'est incroyable. J'avoue que je me suis... Ça y est, je suis passée du côté obscur de la force. Vous allez m'en vouloir. Mais, ou pas, d'ailleurs, ou pas du tout. J'ai acheté Pokémon. Enfin non, pas j'ai acheté.
Qu'est-ce que je dis là? Mais quelle honte! Mon chéri m'a offert le Pokémon Écarlate. Voilà. Alors moi je voulais le Pokémon Écarlate parce que personnellement je le trouve stylé ce Pokémon. Oui je sais, il a des roues, pourquoi il s'en sert pas dans le jeu? Je ne comprends pas, ça n'a pas de sens. Ok, d'accord, je vous l'accorde. Mais je trouve que sa force et sa forme de combat, elle est incroyable. Il est trop beau le jeu. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, quelle connerie que je viens de dire. Le Pokémon est très beau, je trouve personnellement, mais le jeu, il est buggé du cul, hein, on va pas se le cacher, tout le monde le sait. Il est buggé du cul, mais le jeu, je crois que c'est, je sais pas, je suis restée tellement figée sur le jeu, il est incroyable au niveau du gameplay, je crois que c'est, bah, tout le monde le dit que c'est un des meilleurs jeux Pokémon. Alors moi, j'ai joué qu'au Pokémon Jaune sur GameCube, hein, et le Let's Go sur Switch, donc je peux pas avoir vraiment de... dire de gros exemples, mais déjà je trouve que il est super plaisant, c'est super agréable à jouer, franchement c'est topissime, mais ouais il est buggy du cul quoi, c'est horrible, c'est dommage, il pourrait tellement faire mieux, mais vraiment, et voilà, donc celui-là bah, évidemment c'est un cadeau, vous connaissez le prix en soi, donc voilà, j'ai craqué et depuis je me suis remis aux cartes. Je ne suis pas la seule à avoir croqué dans le fruit défendu. Non, non, parce que mon chéri voulait jouer avec moi. Et oui, mon chéri voulait jouer avec moi. Du coup, il s'est pris le violet. Et qu'il trouvait évidemment plus classe le violet. Alors, oui, le violet, il est pas mal. Il a des roues et ça sert à rouler. Ok, certes. Mais encore, non, il vole, je crois, dedans. Enfin bon, bref. En soi, le violet... Voilà, il a acheté le violet pour jouer avec moi et bah c'est tip top quoi, on a pu s'échanger les Pokémon, bon moi bah, c'est cool quoi, ouais, c'est un peu le but finalement, c'est de s'échanger les Pokémon. Donc voilà, il a kiffé aussi, on l'a fini tous les deux, enfin moi faut que je peaufine à avoir évidemment tous les Pokémon. J'avoue que j'arrête pas, je tryhard le jeu, c'est vraiment top. Donc j'avoue, celui-là, très très bon jeu, franchement très très bon jeu, très très buggé. Là je vais vous montrer un petit sac. Un petit sac que j'ai eu à 2,99€. Bon, je pense que vous les connaissez, vous le montrez en gros plan. Je le trouve trop stylé. Ouais, j'ai mis 3 balles dans un sac à bas. Ouais, je sais. Ouais, ouais mais il y a Dark au feu. Là, on va passer à quelque chose d'incroyable dans cette vidéo. Donc, j'espère que vous êtes encore en train de la regarder. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires. Je suis toujours en train de regarder et je trouve ça incroyable. D'accord? Et vous dites laquelle vous avez préférée entre les deux. Petit collector. On va passer de la collector et de console. Alors, oui. Je suis une femme incontestée de Switch. Ça y est, hein, c'est fini. Hein, le rétro, j'ai un peu de mal parce que c'est difficile et c'est très difficilement accessible par rapport évidemment au nouveau, enfin au récent tout simplement. Donc là, je vais vous présenter une petite console que je suis fière de vous présenter. Voilà. Voilà cette belle petite console. Je vous inquiétez pas, je vais vous montrer après. Juste ici comment elle se présente. Donc voilà les magnifiques. J'ai craqué parce que j'adore Monster Hunter et le Rise il est vraiment très complet, très bon jeu. Très très bon jeu. Hop. Voilà, magnifique, magnifique boîte. Donc hop, je mets ça sur le côté. Voilà, donc vous avez mon petit retour avec mon petit micro. Hey, salut. Tac. Donc là les petits Joy-Con ils sont magnifiques. Et l'arrière. Ah, je la trouve tellement canon. Je vais vous montrer le dock juste après. Voilà, le dock. Le dock il est magnifique. Il est magnifique. C'est beau. C'est beau. Bah, j'ai craqué. Hein. Voilà, bon, il n'y a rien à l'arrière, juste comme ça. J'ai craqué. J'ai craqué, c'est comme ça. Le second, c'est. C'est même pas moi qui joue. Je l'ai acheté. D'accord, je l'ai acheté. Je l'ai acheté cher, mais je l'ai acheté quand même. Et voilà. L'édition OLED. Splatoon 3. Pourquoi j'ai fait ça? Console incroyable. Vraiment magnifique. Et quand je vous dis magnifique, c'est que là, regardez-moi ça. Là. Avec l'écran, il est incroyable. Putain. À l'arrière, c'est pareil. Cet écran OLED, franchement, au départ, j'hésitais et je dis vas-y, de toute façon, je pourrais pas la trouver autre part. En plus, malheureusement, ce sont des éditions qui vont coter très fort. Donc, autant la prendre là maintenant, donc un peu plus de 300 balles. Voilà.
Et c'est même pas moi qui joue, c'est mon chéri. Donc voilà, je l'ai enfin. Je lui ai débranché. Et du coup, ça change vraiment. Hein. L'écran change énormément. La clarté, les couleurs, c'est magnifique. Hein. C'est un écran OLED. Mais déjà, la taille de l'écran change déjà le confort en fait des yeux. Parce que bah, quand on fait vraiment la différence, on la voit déjà. Voilà. Non, franchement, c'est tip top. Après, j'ai pas Splatoon dedans hein, parce que je l'ai acheté de case. Malheureusement, elle a été réinitialisée. Mais bon, c'est pas très très grave, on l'achètera plus tard, je pense, Splatoon. Je voudrais peut-être me lancer dans Splatoon, pourquoi pas, ça peut être sympa, je sais que mon chéri kiffe. Et voilà le dock il est juste... Moi j'ai rien à dire sur le dock. Que dire sur le dock? Incroyable. Incroyable. Voilà. Toc. Bah écoutez, voilà, c'est pas mal hein, ce que j'ai acheté depuis ces derniers mois. Voilà, je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis fait plaisir, j'ai dit vas-y, let's go. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et oui, j'utilise mon Stream Deck maintenant, j'ai des touches. J'essaye de plus en plus de gérer tout ça. Ah là là. Enfin bon, voilà. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Merci d'être là encore, même quand je fais très peu de live, merci, je vous remercierai jamais assez, il y a toujours les mêmes qui sont là, mais merci beaucoup, et puis bah n'hésitez pas, du coup, hein, voilà, à checker si vous avez bien vu cette cloche qui va sonner tous les 3 ans, pour que, quand je sortirai une vidéo, enfin bon voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, jouez bien, faites attention à vous, et surtout, surtout, passez de très bonnes fêtes, voilà.